Nous sommes à l'hôpital Paul Brousse. Enrico Macias est venu donner un concert plein de générosité. Aujourd'hui, vous avez vraiment fait rentrer le soleil. Hein, c'est le cas de le dire, mais le soleil dans l'hôpital. Et on a vraiment vu du plaisir et du bonheur. Sur mes doigts, mes chants, le bonheur. Si j'ai mis dans ton cœur andalou trop de soupirs à ton goût, chasse au loin les sangles superflues. On n'en parle jamais plus. Pour nous, c'est important parce que toute l'année, on s'occupe de ceux qui soignent les autres. Et aujourd'hui, on a vu une vraie communion entre les soignants et les soignés. Ce lien qui est important entre soignants et soignés, c'est vraiment l'expression de la solidarité du monde hospitalier. Et c'est pour ça aussi qu'on est là. Elle est toute la journée en peignoir, ou toute nuit au fond de sa baignoire. Je m'éveille, elle s'endort, je l'embrasse, elle me mord, et c'est moi qui ai tort. Oh bah écoutez, c'est merveilleux. Un très bon moment. Ah, c'était super bien. Vraiment, on voit qu'Enrico, c'est un homme de cœur. Pour venir jouer dans les hôpitaux, il était vraiment génial. Il a fait plaisir à tout le monde. Et voilà quoi. C'est un moment qu'on n'oubliera jamais. C'était génial. Il a une pêche du tonnerre, les patients ont été ravis, ils ont bien applaudi, ils ont chanté. C'était vraiment un moment d'échange, de joie. Certains ont pleuré parce que bah voilà, l'émotion est remontée. Non, c'était vraiment un super moment. On était super contents de l'avoir avec nous. On remercie vraiment vivement l'association Les Voilà d'être venus nous voir. Et d'avoir pensé à nous pour notre hôpital gériatrique. C'est vrai que nos personnes âgées, comme disait un de nos résidents tout à l'heure, il n'y a pas grand chose, ils sont un peu esseulés. C'est vrai que des moments comme ça, ben c'est des moments de pur amour et ça leur fait vraiment le plus grand bien. Dieu vous le rendra, Dieu vous